Bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode numéro 11 de Need for Speed, le reboot de 2015. Donc, la fois précédente, on avait fait pas mal de courses. Razor nous avait rejoint d'ailleurs, donc on avait fait un petit peu un duel commentary. C'était fort sympathique d'ailleurs, donc c'est dommage que là je crois qu'il n'est pas encore en ligne. Enfin, j'ai pas checké. Je crois que j'ai commandé pour ouvrir l'interface. Ouais, c'est ça, juste deux secondes, hein. Je vais vite fait sur Origin, si, voir s'il y a des gens qui sont en ligne. Non, pour l'instant, non. Pas bien grave, hein. De toute façon c'est voué à être joué en solo pour l'instant, mais bon là parfois il y a des gens qui viennent en coop me rejoindre, y a pas de problème, hein. Même en vocal. C'est toujours plus sympathique d'entendre deux personnes qu'une seule, blablate pendant 1 heure. Donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ma voiture, ma Lancer Evolution est devenue bleue, hein, voilà. Et pourquoi j'étais avec la Mustang alors que la fois présente j'étais avec la Lancer, tout simplement parce que j'ai fait des courses en ligne avec Raytor, ce qui m'a permis d'avoir plus de thunes. J'ai passé le niveau 30, hein, donc je suis niveau 31 maintenant, j'ai gagné des nouvelles pièces, hein, forcément. Et donc j'ai fait un peu de multijoueur pour avoir un peu de thunes, même si là j'ai quand même pas mal dépensé en off pour améliorer la Mitsubishi, parce qu'elle se traînait quand même en multijoueur, hein. Mais même avec les pièces pour l'instant, les pièces à fond que j'ai débloquées, hein, elle ne suit pas la route, hein. Et bon, pas bien grave, de toute façon je gagne toujours de la thune même en étant dernier dans les courses, dans les speed lists, donc au pire j'en referai en off de toute façon. Après je crois que j'avais filmé quand même là. J'avais capturé quand même la session multijoueur, donc ça sera un épisode hors série numéro 2, hein. En plus de celui sur le freeride. Voilà, donc ça sortira je pense avant cette vidéo, donc vous pouvez aller checker si vous l'avez pas vu, hein. Du coup, donc j'ai modifié la peinture de la Mitsubishi, j'ai mis un... Je crois que j'ai... Non, je crois que j'avais pas modifié le kit, sans pas sur l'épisode 10. Enfin bref, de toute façon vous avez vu un petit peu la progression en même temps que moi sur l'épisode 10 et puis sur le multijoueur. Voilà, si vous avez suivi les deux vidéos, ça doit être bon, vous devez être à jour au niveau de la peinture, etc. Puis pareil pour les performances, je crois pas avoir fait grand chose de différent. J'avais modifié 2-3 trucs dans les paramètres parce que ouais. En fait, si on change le comportement en haut là, en équipant en drift, ça met tout sur un même palier, et puis notamment l'inertie de direction et le rayon de braquage. En grip, ça c'est très réduit, en fait, c'est pour ça que la voiture tourne pas. Donc c'est pour ça que là j'ai plutôt, en fait moi je préfère plutôt le drift maintenant, parce que le grip en fait c'est trop pénalisant sur ce jeu. Le comportement de grip en fait c'est trop pénalisant par rapport au drift. Parce que si on fait un bon drift on peut aller plus vite que si on fait un virage normalement en grip, hein, sur Need for Speed. C'est un petit peu le gameplay qui veut ça. Donc voilà, donc aujourd'hui, voilà, on va quand même parler d'aujourd'hui, on va faire... plusieurs sessions de gameplay sur Twitch, hein. Voilà, si vous me suivez sur Twitch, vous verrez 3 sessions de gameplay. Sinon, bah, ça sortira sur 3 jours, hein. Voilà, donc on va faire l'épisode 11, 12, 13. En espérant qu'on avance pas mal quand même. Donc, on va sortir avec ce véhicule-là, hein, tout simplement. Hop, on va sortir du garage. On va continuer l'émission, tout simplement. On va faire aussi des courses en. Pas forcément en corrélation avec l'aventure. Juste pour gagner un peu de thunes. Voilà, sinon là on va toujours être en galère de thunes, je pense, au bout d'un moment. Enfin, après à la fin, Razor m'a dit, hein, au fur et à mesure on gagne plus de thunes en faisant les courses plus difficiles, c'est logique, hein. Et pour l'instant, c'est un peu court, un peu chaud de pouvoir augmenter sa caisse, peut-être en acheter une quatrième, après on verra, de toute façon, on va pas s'arrêter sur 3 voitures, hein. Après la BRZ, ouais, j'ai plus retouché, hein, depuis un moment. Peut-être on la reprendra, si c'est nécessaire de faire une course. Ici, c'est une voiture pas trop montée. Hein. Je crois qu'il y avait, il me semble avoir vu dans des autres let's play qu'il y avait une course où il fallait une voiture inférieure à 350 chevaux. Que à la limite, la Berserk, on la passera en dessous des 350, puis on jouera cette course avec. Par contre, toujours aussi un peu long les chargements. Donc voilà, la Mitsubishi, Lancer Evo, merde. C'est un beau bruit d'ailleurs. Donc voilà, ouais, j'ai modifié un petit peu la peinture, donc j'ai rajouté Burnout eSport en haut, de toute façon vous avez dû voir tout ça sur les vidéos, donc bon, on va pas faire le topo sur la peinture, etc. Après les voies à changer, hein, comme l'émission, tout ça c'est évolutif avec le temps, hein, si ça me saoule de voir toujours la même peinture. On modifiera tout ça, notamment la plaque qui a pas été modifiée, hein, je vais la modifier plus tard. Donc ce qu'on va faire, on va déjà faire une petite course. Alors, celui avec les flèches vertes, c'est des courses que j'ai déjà faites, donc on va pas les refaire. Donc là, on a pas mal de trucs à faire avec Spike, hein, j'avais débloqué, on a fait plusieurs cinématiques la fois présente, c'est vrai, ça y est, je m'en rappelle. Donc on a débloqué plusieurs courses, donc avec Manu, Spike,
Faut faire le Gymkhana aussi avec Amy, on va le faire parce que Amy voilà, nous permet de débloquer des pièces. C'est plutôt intéressant d'essayer de faire les courses d'Amy en priorité. Donc on va le faire. Alors par contre, est-ce que c'est un passage secret ou juste. Ok, non, c'est un passage secret là, j'ai l'impression. Donc il y a des courses qui sont pas indiquées sur le radar. C'est la première fois que je vois un comme ça. C'est intéressant. Intéressant à noter. Donc là par contre, c'est, ouais, c'est en dessous, là, c'est de l'autre côté. Donc on va essayer de s'y rendre. Bien, c'est que la ligne de chemin de fer elle est libre hein, tout le temps, il n'y a pas de truc qui passe. Enfin, j'en ai pas vu. Là, par contre, on voit des flics. Ah, pareil, là je crois que j'ai une mission avec les flics. Attendez, on va checker ça avant qu'ils m'arrêtent. Ouais, 2500 de dégâts. Donc, par contre, ouais, ils me poursuivent pas d'enfer. Hein. Ouais, bon, nul. Bon, après, j'ai commencé à manipuler un petit peu avec leur conduite. Hein. Donc je switch parfois entre le clavier et la manette. Là pour l'instant je suis au clavier. La fois précédente j'étais à la manette hein, pour le multijoueur de l'épisode 10. Donc ça a été peut-être un petit peu plus remarqué. Un peu plus de mal avec la manette. Voilà voilà. Bon, toujours pareil, faut toujours attendre les flics. Là je sais pas ce qu'il fait, il bouge pas. Je sais pas, on va essayer d'atteindre les 2500 de monde là. Par contre on va pas retourner là, on va essayer de rester dans la zone comme ça on pourra continuer avec les missions d'Emi. Gymkhana, même si je pense pas que la manière soit adéquate pour. Pas trop adéquate pour ça. Bon, avec Almi, mais il fait chier le flic là. Je suis pas du tout, ils sont vraiment nuls les flics en ce jeu. Ah non, en playback ils sont mieux hein. Bienvenue à ceux qui arrivent sur le live. Bon, là le flic. Point mort, je sais pas ce qu'il fait. Défonce hein. Il faut que je fasse 2500 de dégâts. Malcalmie, ouais, bon, je sais pas, il est bugué, tant pis, on va essayer de parler. Bon, quand c'est en accalmie pareil, on peut faire combien des dégâts là, non? Non ou pas? On fait rien du tout là. C'est nul. Ah, ça y est, c'est réveillé. 2100, encore 400 de dégâts. Putain, mais il est vraiment nul. Vraiment à chier. Les flics dans le jeu, c'est vraiment de la merde. Désolé, putain, mais c'est le cas. Vraiment nul. Bon, c'est bon, on va atteindre le palier. 2500 d'amende. On va le semer, le mec. Par contre, toi, c'est pas comme dans mon identité. C'est-à-dire que là, si je fonce dedans, il va pas être planté. Ouais, qu'en fait les flics ont été rajoutés en dernier, hein, sur Discord Speed. Vraiment pas été bien, bien failli. Bien failli. Bon, c'est pas bien grave. Hop, là. Voilà, pas mal du tout. Alors, il m'a dit quoi là? Donc, on va faire la course d'Emi. Hop, elle est pas loin. Voilà. Hop. C'est Gymkhana, mais je pense que c'est la première course de Gymkhana avec Amy, donc ça devrait pas être trop compliqué. Si la voiture n'est pas vraiment équipée pour, mais bon. Pour l'instant, on fait avec. Petit pisseau, drift, ouais, bon, sinon il me l'explique, mais on l'a déjà fait avec Manu. Joue de boucle. Là on va essayer de faire un bon truc. J'ai des coups de lag hein, de temps en temps. Ça c'est quand un joueur me rejoint dans le coin. Quoi. Bon, elle est vraiment pas faite pour le Gymkhana. Là, je l'ai trop mis en grip. Pourtant vous avez vu hein, dans le truc de configuration, c'est dans le drift hein, mais... elle est vraiment pas faite pour ça, enfin elle est trop lourde je trouve. Pour l'instant elle est trop lourde dans le comportement. On va compter, mais si tu pouvais éviter de me pousser là, ça serait bien.
y a un joueur qui arrive. Oula, oula. Bon, tu as vraiment pas vraiment de virage hein, pour pas des points là. Bon, normalement ça doit être bon. Hein. Il reste encore pas mal de CP. Il y a moyen de faire les 20 000. Tranquille. Voilà, c'est bon, là, au niveau des points. On va essayer de passer devant Amy. On va essayer de bien jouer, tiens. On va essayer de bien prendre les murs. Forcément essayer de chercher. Ah ouais, faut faire demi-tour. La première fois que je vois le parcours. Soyez indulgents, c'est la première fois que je fais le parcours. Pour l'instant elle est devant mais ça sert à rien, ça coûte des points. Enfin, c'est dommage, on voit pas ses points à elle. En fait non, je pense pas que ce soit la course au point, là c'est juste une course pour moi avec limite de points. Je vais l'atteindre. Enfin, c'est nickel. Par contre il gagne pas quand on fait les sauts. C'est lag. Coup de lag là, c'est enfin de RAM, c'est pas de lag, hein, c'est du RAM. Mais je crois que c'est dû aux petits joueurs. Hein. Quand les gens sont près de moi, ça dégouille un peu. J'ai mis une option sur des jantes et je raterai la vente pour rien au monde. Ciao les enfants. Ok, moi je suis en route, on se voit là-bas. Désolé, hein, je partais au-dessus de la conversation, mais bon, c'est pas très intéressant. Là, ils parlent plutôt du hors-la-loi, là, ça fait ce qu'ils savent, blablabla. Bon, du coup, défi quotidien rempli, on s'est mis dans l'ARP, faut envoyer, ok. Cosmétique, collecteur asymétrique en vente. Et Amy qui m'appelle. J'ai dit que les flics étaient là pour gâcher la fête. Je m'étais pas autant amusé depuis mon premier rodéo. Continue comme ça. Ok, donc là on a encore deux courses avec Amy, on va continuer. Ouais, c'est pour ça qu'on a gagné le collecteur, qu'on a fait une course avec lui, donc on continue une course avec lui, hein. C'est plus bon, c'est plus intéressant pour l'instant, pour avoir les pièces. Alors, par contre là, un peu chelou hein, le code. On avait parlé hier avec Razor, hier ou mardi, je sais plus. Le code est assez chelou dans ce jeu. Des fois on touche, des fois on a crash cam, des fois on touche pas, on n'a pas de crash cam, mais on a quand même la sensation d'avoir touché quelque chose. Un peu spécial. Hein. Parfois la voiture est aimantée vers les murs. Enfin, c'est... On voit que le jeu quand même manque de développement. Même s'il a été développé en deux ans. On voit qu'il manque quand même des trucs dessus. Ça va bien pour payback, hein, de toute façon. Bon, ça se goupille. Bon, on va essayer de chercher le. J'ai une course, on espère que ça soit pas du Lincoln, parce que... J'ai quand même fait 39 000, mais bon. Hein, quand même avec la difficulté que ça engendre, parce que la bagnole quand même est pas non plus faite pour le drift. Hein. Dès que je drift, là vous avez vu, on va directement dans le mur. Donc c'est quoi ça? Tout gay, voilà, pour du drift. On changera de voiture si on a une autre après. Hein. Donc il faut faire du drift hein. Et si on est dans les premiers on a multiplicateur x2, c'est ça. Facile d'accès devant. Ça j'ai quand même eu des points, même en touchant. Du bol là. Ouais, c'est pas vraiment pas fait pour le drift. Vraiment pas faite pour le drift. Ah, c'est la Porsche. Dommage qu'elle le touche.
pas des gros angles. Sinon je fais pas des gros points. Bon, pour l'instant il est devant. Par contre contre les Porsche là. Retire-toi. R34, ouais en fait il y a un peu surclassé par rapport aux voitures qu'on a contre nous. Hein. Voilà. De le bloquer. Bon, c'est des bottes, hein, on s'en fout. Ça va, j'explose. Hein. 200 000 points. Il y a un joueur en dessous là. La FK, tant mieux. Derrière l'intérieur, on peut essayer. Enfin, derrière l'extérieur, on peut essayer de. Ah non, il nous a attendu. Non, quoi lui? BRZ. C'est un nouveau joueur. Désolé. Oh. De toute façon, je m'en fous. T'es dans les. T'es au niveau des points, donc c'est. Ah, oh, si, il me double. Bon. Par principe, je préfère rester devant. Donc, ça va, 136 000 points. 7 000 $. Des pare-chocs, c'est pas possible. Ouais. Alors, niveau 32. Hop. Waouh, je sais pas comment t'as fait, mais t'as une bonne recette. Prêt pour la suite? On enchaîne. On va essayer de défier Emile pour voir. Il faut défier chaque voiture du jeu. Il y a aussi un truc comme ça. On va essayer de la défier. Pop. Bah sprint. Bon bah je l'ai fumé déjà. Bienvenue à celui qui est sur live, dites-moi si le son est trop fort par rapport à ma voix. Parce que j'ai l'impression que les gens viennent sur live et quittent à cause de ça. Donc moi j'ai pas le retour, je sais pas. On s'en fout, en fait c'est pas ça que je veux voir, moi je veux juste voir la carte. Ah bah là, ok, bon, ça va, c'est Emi, c'est toujours au même point, dans le même secteur, donc ça va. Pas dérangeant. Moi tout ce qui est pièces, tout ça on l'a collecté ici, hein, on n'a plus. Donc là l'automation l'a déjà fait. Ici, le spec. Hey mec, je sais que t'es dans ta caisse. Alors trouve l'accélérateur et ramène-toi vite fait, ok? Alors, c'est pas comme ça qu'on va te faire ramener. Hein. En partant comme ça. Non, non, on va continuer avec les Mimi là, comme ça on gagne en plus des pièces, on gagne de l'argent, de XP. Et du niveau. Ouais, je pense que ça va être une petite course hein, quand même. Ah, un sprint, ouais, c'est mieux. Un sprint, ça sera un peu mieux. Hop. Les mecs, je suis en pleine course avec Emmy, là tu me demandais ce que je suis bon là. Alors démerde-toi
Bon. Ils sont un peu trop collés à moi, je trouve. C'est un peu nitro. Hop. J'ai l'impression que dans le jeu, ça nitro, ça sert vraiment pas grand chose. Je viens pas du tout du 16, pourtant je l'ai mis en pleine puissance, hein, pas en durée. Ah, c'est manger un joueur, tant mieux. Merci au mec qui m'a aidé là. Où c'est mis. Purée, ouais. C'est chaud. Hein. Ouais, je la monte un peu plus celle. Chubichi là, installe un peu. Aux autres. Non, tu passeras pas. Ouais, je suis à 200, 240 en vitesse max. Pas énorme. Sachant que je suis à plus de 340 avec la Mustang. Ah non, par contre, non. Ah, mais c'est pas possible. Bon, deuxième. Est-ce que ça compte? Ouais, il va me demander de refaire la course. On peut pas gagner à tous les coups. Bon, il faut la refaire. Te laisse pas abattre et reste concentré. Ouais, du coup on va faire un tour dans le garage. Là, j'ai quand même débloqué la pièce. Là je mets petit point. On va faire un petit tour dans le garage. Hop. On va essayer de l'upload un peu, gradé. Salut Petrou, Petrou de B. Petrus. Bienvenue sur le live. Alors on va monter un peu la bagnole. Hop, donc hop, moteur. Donc filtre à air, il est à fond. Donc tout ce qui est en orange c'est à fond. Système de refroidissement. D'où l'autre truc là, voilà, admission forcée là, ça coûte cher ça, j'en avoir besoin. Donc là il faut choisir bon turbo compresseur. Donc, okay, donc on va voir par rapport aux chevaux qu'on gagne et tout ça. Là, celui-là il est merdique, on perd trop de chevaux. On peut pas acheter celui-là, les jeunes là pour l'instant, les oranges. Donc, tu peux plutôt mettre un 685 là, entre ces deux-là. Celui-là, voilà, on va mettre celui-là. 18 000, ça fait mal, mais bon, au moins, la bagnole sera plus puissante. Image, hop, calculateur, c'est bon, bloc moteur, pas encore débloqué, pas quand même plus, culasse, ouais, il faut faire les, ouais c'est marqué hein, faire avec Limi, hein, l'émission, ou d'échappement, opérage c'est bon, nitro, suspension, toujours les courses avec Limi, hein. Mission avec Limi, mission avec Limi, 33, les freins sont à fond, freinage c'est bon. 47, enfin, un petit peu au niveau des niveaux, hein, 43, donc ouais. Ok, donc je pense qu'on a fait le tour. Système métrique. Un Mac 2, ok. 41. Bon, déjà c'est un peu plus boosté. Voilà. Nickel. On a 18 000. On va voir un petit peu au niveau des bagnoles, là, si on peut avoir un petit peu les bagnoles qu'on pourrait acheter dans le futur. Attends, on va se prendre une petite taille 86 là. Pour l'instant, ah non, j'avais parlé de la Supra. Donc, on va prendre la Supra. Sur les plans de bagnole qu'on va essayer de prendre. On va prendre une petite Supra, une petite taille 86. Et après, on va essayer de taper dans le haut. Dans le haut des bagnoles, dans les plus chères.
Une petite Porsche, ça pourrait être pas mal. Hein. Là, à l'ancienne. Le Cayman. Après, il y a la Diablo aussi. On avait parlé de prendre la Diablo. Mais bon, ça, 140 000, on n'est pas encore. Après, voilà, ça peut cheater celle-là, je crois. On va bien cheater. Bah, il y a la BK, la BEC Custom. J'ai eu pas mal de gens avec la Huracan aussi. Sur la Murcia, Huracan Murcia. Sinon, ils prenaient aussi les Ford. Sont un peu cheatés les Mustang, notamment la Boss 62 et puis la Unicorn. Celle-là. Donc, on verra bien de toute façon. Bon, on va faire encore quelques missions. On va s'arrêter là pour l'épisode 11. On enchaînera avec l'épisode 12 ensuite. Moi, je suis à complètement décalé. Hein. J'ai pas le numéro d'épisode en tête, mais bon, on est au 11e là, quand même. 10e, on l'a fait la dernière fois. Bon, du coup, on va continuer avec les courses. On fait un peu de course expac, hein, histoire de changer un peu. On va aller sur celle-là, donc ça va, c'est du sprint en plus. Ça, après, on va pouvoir un peu aussi tester les améliorations là. On a déjà un peu plus de patates. Hein. Le turbo il marche un peu mieux. Bien, si tu le prends comme ça. Voilà, place. Laissez passer sa majesté. Ah oui, c'est ça, on les fume là. Voilà, on arrive à les fumer. Ça change tout là, de devoir foutre un turbo compresseur. De même pour la Mustang. Par contre, elle a du mal à rester sur la route. Allumé actuel sur Xbox One. Non, je suis sur PC. Hein. Il est indiqué d'aller sur le titre. Et après, je sais pas si les courses plateformes dans Star Speed, je crois pas. Un peu dommage d'ailleurs. Je suis sur PC et au clavier. Et bon, des fois je switch avec la manette, là ça dépend. Là, pour l'instant, c'est de la course, donc ça va. Et dès que ça sera du drift, je pense que la main, ça sera un peu plus simple. Bon, alors on voit du lourd maintenant là. Par contre, dans l'Evo 9 là, enfin l'Evo 8, ça c'est 8. Alors, c'est un peu dommage qu'ils aient mis que l'Evo 8. J'aurais bien voulu avoir la 6, la 10 et la 9. La 6, hein. Et vous 6 ou 5 là. Comme en rallye. J'espère que dans Payback elle y sera parce que moi, je la kiffe. Hein. Sur Forza Horizon 3 je la prends à chaque fois. Que ce soit en 4 ou en propu, ça on voit. Bon, par contre, ouais, je suis la merde. Ah, c'est un joueur là encore croisé. Ça va, des fois les joueurs ils jouent fair play, hein, ils ne foncent pas dedans. Des fois c'est des gros connards. Pour l'instant dans l'espèce on a eu du bol, hein, on n'a pas croisé des mecs qui est relou qui nous suivaient tout le long, nous défonçaient à chaque fois. Et mardi en freeride avec Razor on a quand même croisé des gens qui ne voulaient pas du bien. Hein. Bon. Ouais, c'est tranquille, hein. Franchement les courses c'est bon.
Spike, on est un petit peu en avance par rapport à leur bagnole, hein, en termes de perf. Bien, je vois tout le monde là. Ah, merci. Impeccable. Bien poussé la bagnole qui me gênait. Bah c'est tranquille hein, franchement. Elle est bien réglée en plus ma... Pardon, pour la voile. Pas tirer les aigus. Elle est bien réglée là. Même la... Lancer là. Pas pour le tristou le grip. Bien polyvalente pour l'instant. Donc on va continuer avec. Donc bientôt niveau 33. Je crois qu'on débloque une pièce hein, 33. J'ai bien... On l'a vu tout à l'heure. On verra bien ensuite, de toute façon, tous les 5 niveaux, on essaie de mettre les pièces au max. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode 11. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à like, à laisser un commentaire, à partager. Et moi, je vous dis à la prochaine, c'est Diablo, ciao.